vous remercier pour votre présence. Donc, c'est avec un grand honneur que nous nous retrouvons ici au sein de l'Institut des sciences de la Terre dans le cadre des journées scientifiques et culturelles organisées par l'Amicale des élèves ingénieurs de l'IST. Donc, comme vous le savez, les journées scientifiques et culturelles occupent une place importante dans les activités de l'Amicale. C'est même devenu une coutume. C'est l'occasion pour nous d'intégrer les nouveaux bacheliers qui sont sélectionnés au concours d'entrée à l'Institut des sciences de la Terre, mais également c'est l'occasion de nous retrouver, de se rencontrer, de retrouver l'ensemble des composantes de l'Institut des sciences de la Terre, à savoir l'administration en premier, les alumni de l'IST, mais également les élèves ingénieurs. Donc ainsi, aujourd'hui, nous aurons comme conférencier M. Moussa Silla, qui est parrain des GSC 2021. Il y aura aussi Dr. Abdou Aziz Ndiaye, qui est directeur de l'Institut des sciences de la Terre, mais également Mme Mamkoud Ndiaye, professeure ici à l'IST. Donc le thème du symposium porte sur, après 40 ans d'existence, quelles orientations donner à l'IST face aux mutations. Donc le choix du symposium s'est justifié de plusieurs manières. Donc vous savez que l'IST a été créé depuis les années 1980. Il a débuté en 1982, la première promotion. Donc c'est un institut qui donne une formation de qualité pour un ingénieur géologue de conception, qui a formé aujourd'hui plus de 400 ingénieurs géologues de conception. C'est une formation de qualité même, c'est la meilleure des formations. Je pense que notre cher institut mérite vos applaudissements. Donc merci. Mais également, on est confronté à l'ère du 21e siècle, avec l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc désormais, plusieurs logiciels ont été créés. Beaucoup de main-d'œuvre ne se font plus manuellement. Donc on dit même qu'il y a une perte de main-d'œuvre. Donc face à ces mutations actuelles, mutations technologiques, l'on se demande quelles orientations donner à l'IST. Est-ce qu'il ne faudrait pas redéfinir les programmes d'enseignement de l'IST? Donc sur ce, nos conférenciers vont nous éclaircir là-dessus. Et si vous avez aussi des questions, écoutez-les bien, car je pense qu'aujourd'hui, il y aura de la connaissance ici avant de sortir. Ainsi, nous allons démarrer ce symposium par des allocutions du directeur de l'Institut des sciences de la Terre, Dr. Abdouaziz Ndiaye, suivi de l'allocution du président de l'Amicale des élèves ingénieurs de l'IST, M. Moussa Balé. Ensuite, nous allons introduire le symposium proprement dit avec les interventions du M. Moussa Silla, parrain des GSC, du Dr. Abdouaziz Ndiaye et Mme Mamkoud Ndiaye. Il y aura aussi des interventions des profs ici présents et une série de questions-réponses pour terminer. Merci, M. le présentateur. Donc, je prends la parole. Je commence par féliciter l'Amicale d'avoir réussi ces journées qui se déroulent dans de bonnes conditions. L'année passée, on n'a pas pu les faire à cause de la pandémie. Et donc, cette année, on a repris les vieilles et bonnes habitudes parce que ces journées constituent un moment important dans la vie de l'école. Ça marque, disons, le premier contact le plus important entre les nouvelles recrues et tout l'IST. Mais surtout, c'est l'occasion, comme vous l'avez fait pour les thèmes que vous avez posés cette année, de mettre sur la table, de créer des débats sur des thèmes intéressants qui concernent la vie de l'école. C'est aussi l'occasion d'inviter des alumni qui contribuent sous différentes formes à la vie de l'école. Donc je commence par saluer votre parrain, professeur Moussa Silla, qui est un ancien de l'IST, je ne sais pas, vous avez sa biographie. Et c'est un ancien lycée, c'est la première promotion de l'IST, qui a été enseignant ici pendant 25 ans, et puis ancien directeur des mines et aujourd'hui administrateur du cabinet Géomines. Donc, il contribue sous toutes les formes possibles à la réflexion et à l'action sur le fonctionnement de l'IST. Votre deuxième, votre marraine, c'est Mme Roselyne Koumbambaye, qui n'est pas là. Elle est directrice des mines et de la géologie, ancienne de l'IST aussi. Donc, je salue aussi Mme Mamkoud Ndiaye, les collègues enseignants qui sont là et tous les étudiants présents.
comme le conférencier est censé débattre sur le thème, je ne voudrais pas être trop long. Je commencerai par dire que la question est bien posée. 40 ans, c'est une période, c'est important quand même, par rapport à un cycle de formation de 5 années. Mais dans la vie d'une institution, ce n'est pas long. C'est le moment, à tout moment, dans une organisation, on doit être en mesure de poser les bonnes questions. Quelles sont les orientations face aux mutations? Je pense qu'il y a des mots-clés dans votre thème, parce qu'il y a des mutations constamment. Une école d'ingénieurs, c'est une école qui enseigne des méthodes et des techniques basées sur la science, quel que soit le domaine, c'est basé sur la science. Et la science est en constante évolution. Du point de vue bilan, il y a des nombres, c'est 423 ingénieurs, je pense que la prochaine c'est 424 ingénieurs. Il y a une diversification dans la formation en licence professionnelle, on a dans les 70 diplômés. Et puis depuis 3 ans, on a lancé en collaboration avec l'Institut des sciences de l'environnement un master en environnement et gestion des résidus miniers. C'est la 3e promotion, à peu près une trentaine de personnes, 10 personnes par promotion. Donc on est en train de diversifier l'offre de formation en ciblant différentes étapes du projet minier ou du projet de valorisation de ressources naturelles, et aussi en ciblant différentes catégories professionnelles, parce qu'on n'embauche pas que des ingénieurs dans le secteur des mines. Il y a aussi des améliorations dans les programmes, parce que quand on crée l'ISC, comme vous l'avez dit, dans les années 80, il y avait en perspective une vocation minière pour le Sénégal. À l'époque, c'était surtout Miferso, l'or de Sabodala, et la géologie elle-même n'était pas bien connue. Les activités d'exploration se limitaient à des missions, c'était pas systématique comme le font les sociétés d'exploration maintenant. Donc les créateurs de l'ISC avaient eu la vision de créer une école de géologie. Ce n'était pas une école de mine. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ce choix reste pertinent, parce que l'inventaire géologique du Sénégal reste à faire. Et dans tous les cas, il y aura une vocation sous-régionale pour cette école. Et aussi bien que je me rappelle, depuis qu'on est étudiant, les premières années de l'IST, les besoins de mutation vers une école d'ingénieurs ont été toujours posés sur la table par les étudiants, par les directeurs, par les personnels enseignants qui se sont succédés. On a eu régulièrement des réflexions sur la manière de faire cette mutation, parce que on a constaté que c'est ce qui permet de régler beaucoup de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Le conférencier pourra revenir sur ça, mais je pense qu'il y a des perspectives très favorables pour cette évolution-là. Donc, sur le plan pédagogique aussi, comme la science et les techniques évoluent, donc je peux dire, si on compare ce qu'on a suivi et ce qui est fait actuellement, malgré une certaine rigidité dans les modifications des programmes académiques, l'IST s'est adapté. Il y a beaucoup de matières qu'on fait aujourd'hui qui n'étaient pas faites, ce qui fait que, quoi qu'on dise, quand l'ingénieur IST sort, il n'est pas perdu. Certes, il y a des problèmes d'insertion qui deviennent difficiles. Et ces problèmes se rencontrent par toutes les élites qui sont formées dans ce pays. Objectif, en essayant de voir dans ce qui marche et ce qui ne marche pas dans l'IST et ce qui ne marche pas en dehors de l'IST quand on est diplômé. Je pense que les problèmes ne sont pas les mêmes, parce que une école peut assurer une bonne formation mais ne peut pas assurer un emploi si le tissu industriel, économique, social, si l'État, s'il y a des choses qui manquent après. Parce que c'est des produits que nous formons, pour raisonner en termes d'usine de production. On vient ici avec un bac, on reste 5 ans, on sort avec certaines compétences. Et ces compétences-là doivent être absorbées par des structures sur lesquelles l'IST n'a aucun contrôle. Donc c'est le problème de l'emploi des jeunes. Ça, c'est un problème beaucoup plus qui dépasse l'IST et même l'université, c'est général. La réflexion portera aussi sur ça, sur quelles sont les mutations qui peuvent améliorer l'employabilité des jeunes. Je pense que tout ce qui relève de notre domaine, comme les mutations pédagogiques, nous allons nous y atteler.
Et c'est dans ce cadre qu'on a fait depuis 6 mois une réflexion sur un projet d'école qui a été soumis à l'autorité, au ministère. Et nous pensons que la mise en œuvre de ce projet d'école va régler beaucoup de problèmes que nous rencontrons ici aujourd'hui. Et ces problèmes sont tout simplement liés au statut. Parce que c'est le statut qui détermine les moyens qu'on a pour dérouler les programmes. Donc je ne voudrais pas être très long, parce que autant que vous, je pense que on peut apprendre beaucoup à écouter le conférencier qui est alumni comme nous. Je pense que tout ce qu'on a vécu, il l'a vécu en tant qu'étudiant, et la richesse de son parcours nous permettra d'avoir une autre perception de ce problème. Et après, il ne faut pas hésiter à ouvrir un débat objectif. Et bon, je pense que si on fait ça, l'objectif sera atteint, aura été atteint. Voilà, je vous remercie et vous félicite encore. Merci, monsieur le MC Ismaïla. Monsieur Aziz Ndiaye, directeur de l'Institut des sciences de la Terre. Monsieur Moussa Silla, parrain des journées scientifiques et culturelles et PDG de Géomine SA. Madame Mamko Ndiaye, enseignante à l'IST. Chers professeurs, chers camarades étudiants, chers invités, je suis ravi de me retrouver aujourd'hui parmi vous ce matin pour partager une réflexion commune et constructive relative à la vie d'une entité éducative qui nous est tous chère, qui est l'IST. Ce symposium c'est un événement symbolique dans le chronogramme de ces journées scientifiques et culturelles qui font leur comeback après une année de rupture liée à la pandémie du coronavirus. Tout d'abord, au nom de l'AIST, je tiens à exprimer ma reconnaissance au distingué professeur Moussa Silla d'avoir bien accepté de parrainer ces journées. Et ce choix repose sur une volonté de louer ces d'innombrables services rendus à l'IST, mais également de magnifier son parcours d'une richesse rare afin de le donner en modèle aux nouveaux bacheliers de cette année. Dans le même sillage également, je tiens au nom de l'AIST à exprimer ma gratitude à l'endroit de Mme Rosaline Baye Carlos, directrice des mines et de la géologie et marraine de ces journées scientifiques et culturelles. Mme Baye également est une référence dans le domaine des géosciences, autant que ses homologues masculins. Elle a fait beaucoup de progrès. Elle est aujourd'hui dans les hautes fonctions où le débat même de l'accès des femmes dans ces fonctions-là est d'actualité. Donc c'est une référence également pour toutes les filles qui sont à l'IST. Ces remerciements également vont à l'endroit du directeur Abdulaziz Ndiaye, qui ne ménage aucun effort pour mettre cet institut l'IST dans les rampes d'une école moderne, d'où sortent des produits qui répondent en tout cas aux exigences du marché du travail. À cette grande dame également, Madame Mamko Ndiaye, dont l'attachement à l'IST est connu de tous, elle ne cesse par ses conseils de nous soutenir dans nos activités. Donc on vous remercie, Madame Ndiaye. Pour finir, je vais revenir sur l'objectif de ces journées. Ces journées, c'est un cadre de partage entre les étudiants de l'IST, entre les professeurs, entre les professionnels du domaine, les entreprises, donc autour des thèmes relatifs aux géosciences, comme le thème de demain et notamment de celui d'aujourd'hui, parce que l'IST est carrément rattaché aux géosciences. Ça permet également de se pencher sur certains problèmes qu'on a à l'IST et d'ouvrir des perspectives afin que des idées fécondes puissent être émises et être après mises en œuvre. Donc, pour ne pas être très long,
je vais, il ne me reste qu'à céder la parole et je vous souhaite un agréable symposium. Merci. Place aux acteurs, aux partenaires naturels d'une école d'ingénieurs qui sont les gens qui sont issus des professions auxquelles l'école forme. Dans le conseil d'administration de l'école, on ne parlera d'ailleurs plus de conseil de professionnement, mais de conseil d'administration, il y aurait des gens qui viennent de ces structures-là. Et ça, c'est extrêmement important. Un point important également à prendre en compte dans l'école et son avenir, c'est véritablement le rôle des alumni. Je l'ai dit en recevant l'amicale, lorsqu'ils ont évoqué la question des stages qui posent véritablement problème. J'ai dit que bon, vous êtes des victimes collatéraux d'une pathologie qui a affecté l'amicale des diplômés, qui gère des problèmes de renouvellement depuis 15 ans, au point où, bon, elle-même, l'amicale, honnêtement, il y a des problèmes, quoi. Si vous regardez bien le groupe, bon, il y a même une fronde qui se prépare là. Bon, j'ai dit qu'à cela ne tienne. Je pense que les choses vont être mis à plat, mais honnêtement, cette question n'aurait jamais dû se poser si véritablement l'amicale fonctionnait correctement, d'abord, parce que c'est son rôle. Parce que quoi qu'on dise, pour avoir été. Moi, je me souviens, je donne juste une anecdote. Les écoles, quand vous allez dans les entreprises, là, les stages, c'est vrai qu'il y a des existences de conventions, mais c'est d'une mafia d'école. Moi, je me souviens, comment on dit pas le mot, on ne se pose pas. Mais en réalité, je voyais que partout où tu vas, voilà, les gens de Polytechnique, par exemple, ils prenaient des stagiaires chez eux, quoi, venant de Polytechnique tous les ans. Donc, je crois que c'est une question de. On en parlait l'autre jour. Que représente l'école? Fait combien d'étudiants? Globalement, l'ensemble des étudiants, une centaine? 120. Mais vous imaginez 400 alumni. 400 alumni. À l'école. Les 400 alumni, j'ai pas, mais je n'ai un chiffre. Hein. Il y a forcément une trentaine d'entreprises, hein, vraiment costauds, où il y a des alumni, et qui, tous les ans, pour signer une convention avec l'école, et derrière la convention, il y a toujours la relation. Cette personne-là, dont je souhaite la remise en la réinstallation, cette fonction, qu'elle soit ad hoc, comme ça a été, ou bien statutaire, il faut la mettre en place. Et après ce moment-là, les alumni, vous voyez bien qu'il n'y a rien. Moi, je considère que vraiment, si on met de côté les problèmes de ressentiment liés au dysfonctionnement de l'administration, toute personne normale, et je sais que les géologues sont des gens normaux, aime bien rendre service à l'école qui l'a formée. Moi, si je viens ici, aujourd'hui, c'est parce que c'est à cause de ça. Si vous m'appelez dans tout ce que vous faites, je viendrai. Parce que je considère que je dois à l'école. Je le dois. Mais, encore une fois, que représente chercher un stage une trente entreprises qui, tous les ans, vous offrent des stages niveau ouvrier, niveau manager. Et je dis que l'effectif qui est là n'est pas un problème. Mais encore une fois, c'est le manque de réactivité ou d'implication ou d'inclusion entre les alumni qui sont représentés partout. Mais attends, les stages, on sait comment ça fonctionne. L'alumni, je suis persuadé que la plupart du temps, ils vont même intervenir pour caser une personne qui va faire un stage dans le bureau de la comptabilité parce que c'est une nièce. Mais si c'est véritablement l'école qui le demande, et que par ailleurs, ce soit un débat posé dans le conseil d'administration, à travers également les alumni, c'est que ce qui va se régler. Et donc, j'ai dit aux gens, là, quand ils sont venus me voir, que c'est une préoccupation dont, je pense, l'une des solutions, au-delà de l'organisation de l'école, c'est vraiment, véritablement, de créer un truc. Alors, il va également se poser un problème de ressources. Une école, ce n'est pas seulement des statuts. Je pense qu'il y a une volonté de recréer le cadre physique, heureusement, parce que ça aussi, enfin, je serai vraiment très heureux. J'espère être là pour être présent quand on coupera les rubans. Mais écoute, il n'y a pas. L'ISC mérite largement d'avoir un truc visible ici avec pignon sur rue. Le choix de le mettre ici au lieu de truc, pour moi, ce n'est pas un problème. Encore une fois, il y a de l'espace qui est là. Une fois que c'est fait, il faut que le texte crée, donne des moyens, je pense, budgétaires, etc. Mais surtout que l'école réfléchisse sur
une façon mais vraiment intelligente de générer des ressources aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un pays en développement. Et honnêtement, le secteur qui est le nôtre, que ce soit le domaine de l'eau, des matériaux, les ressources, avec tout ce que vous voyez, le pays, ça bouge dans quelle direction? Les routes, la construction, l'aménagement du territoire, mais également le développement des ressources minérales. Tout cela, il y a de la place pour véritablement une école, mais lorsqu'elle sera vraiment dotée de tous les laboratoires qu'il faut, pour des contrats de performance, des contrats avec l'industrie qui permettent non seulement d'avoir des revenus supplémentaires, mais également, surtout, d'améliorer significativement la qualité de la formation, parce que bon, c'est aussi par ce moyen-là qu'on donne des sujets intéressants aux étudiants. Et donc, parce que pour une école, c'est vraiment un bon épanouissement intellectuel et scientifique des enseignants, mais également des étudiants. Et donc, véritablement, je suis optimiste, donc, pour répondre à votre question sur l'avenir de l'ISC. Et pour moi, ces orientations, c'est la voie qui est aujourd'hui tracée vers une spécialisation, vers deux ou trois spécialités qui correspondent à peu près aux métiers dominants qui sont les métiers qui absorbent les diplômés. Une gouvernance plus ouverte vers le secteur privé, national, la société civile, mais également une implication vraiment beaucoup plus forte des alumni dans la vie de l'école. Voilà, mesdames, messieurs, les quelques orientations que j'ai notées comme méritant d'être partagées avec vous, en souhaitant vraiment encore longue vie à l'IST. Et surtout, et c'est peut-être là que j'aurais dû commencer, renouveler mes remerciements à l'amicale pour avoir choisi ma modeste personne comme parrain. Je suis d'autant plus vraiment content et ravi de ce choix que je partage cette teneur avec Mme Carlos. Vous voyez un peu, je dis, c'est une bonne illustration de ce que c'est la transmission du savoir. La formation. Mme Carlos a été étudiante ici. Elle a été mon étudiante. Je dis qu'elle est sortie en 2003. Je l'ai retrouvée au ministère. Elle venait d'arriver, je pense. Moi, je suis arrivé comme directeur en 2005. Elle était recrutée en 2003. Je pense honnêtement, je n'ai pas regretté d'avoir misé sur elle. Parce que très vite, je l'ai repéré comme étant parmi les personnes sur qui on pouvait compter, parce qu'il y avait du potentiel. Je me suis beaucoup investi pour sa formation, son coaching, sur elle mais sur d'autres. Et aujourd'hui, c'est pourquoi quand elle a été nommée, elle me dit, mais professeur, il faut que je vienne vous voir demain, parce que cette nomination, c'est votre... Je vous la dois également. Donc je pense que c'est une façon de dire simplement que nous, les enseignants, c'est ce que nous avons de plus cher. C'est-à-dire que c'est la meilleure des choses qui puissent nous faire être rendre heureux. Et ça, c'est ce que les enseignants ont et que nul autre n'a. Donner des milliards parce qu'on en a, c'est facile, hein? Mais que quelqu'un que vous avez formé, en tout cas, dont la contribution que vous avez faite dans sa formation, lui permet d'avancer au point d'occuper le poste que vous étiez son patron à une bonne année, mais vous arrivez, vous l'aidez à monter les cimes et qu'il puisse vous le dire, il n'y a pas meilleur sentiment de joie ou de fierté qu'un homme puisse avoir. Voyez un peu. Et donc, ça, c'est pour dire simplement que moi, le choix, au-delà de l'appréciation que vous avez faite, j'en suis d'autant plus heureux que je le partage avec une dame à qui j'ai une profonde estime et qui est réciproque d'ailleurs. Et donc, c'est un peu une façon de montrer que dans la vie, il faut. C'est vrai, quand on trage un parrain, on veut le montrer en exemple. Mais je me permettrai également, surtout à la gente féminine, de dire que Mme Carlos montre également un bon exemple de ce que la femme peut faire. Dans un environnement, les mines, les industries extractives, on a toujours considéré qu'ils étaient un peu misogynes.
Mais la preuve est faite, d'ailleurs, c'est elles qui sont aux commandes, hein, majoritairement. Madame Carlos et Madame Roque Samba, Sophie la ministre, elles ont été là aux commandes, hein, elles sont aux commandes d'ailleurs, hein, pour montrer simplement que cette question-là, bon, l'approche genre, quoi, est une très bonne chose. Moi, j'ai toujours été un militant de la formation, de l'éducation des femmes dans les sciences. Pour qu'elles, parce que ça va être de très bonnes scientifiques, c'est pas parce que Côte est là, hein, mais c'est une conviction. Encore une fois, mesdames, messieurs, chers étudiants, l'IST engage une transformation, c'est à vous donc de l'accompagner, et sachez que, en ce qui me concerne en tant qu'alumni, vous serez toujours compté sur ma disponibilité et mon engagement, et j'espère que cet engagement, les alumni de façon générale vont le partager. Moi, c'est mon rôle parce que j'ai été un membre fondateur. On a créé l'association ici dans mon bureau. Chez mon, on est 30 personnes à signer. Donc, c'est mon rôle d'ailleurs de faire en sorte que l'association soit remise sur les rangs pour que véritablement il joue son rôle. Parce qu'on ne peut pas se permettre de. C'est un gâchis quoi. 400 ingénieurs, dont un là qui est le demi-dieu. Hein, qui, hein. Je dis, il faut des choses quoi. C'est, je ne parle même pas du président de la République, mais je dis que la capacité des gens à appuyer l'école de par leurs moyens, mais c'est extraordinaire. J'enrage même de voir que pour des questions de simplement voilà, gouvernement d'association, on en arrive à ce niveau-là. Vraiment, encore une fois, parfois je parle avec beaucoup de passion. Mais sachez que je suis content d'être ici et vous serez toujours compter sur ma disponibilité. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord dire mes salutations à Monsieur le directeur de l'IST, Monsieur le docteur Moussa Sylla, parrain de ces journées. Saluer également Madame la marraine, la sœur Roselyne Baye Carlos, qui n'est pas là. Saluer et féliciter le président de l'amicale des élèves ingénieurs de l'IST. Pour l'organisation de cette manifestation. Je voudrais dire que je suis très, en tout cas, contente du choix porté sur les deux parrains, enfin, le parrain et la marraine, parce que tous deux constituent donc des références de valeur du produit IST. Je félicite le docteur Moussa Sylla, notre professeur, et je lui rends un hommage pour avoir contribué de manière significative à notre formation. Je dois dire qu'à la base, je n'étais pas préposée donc à faire partie des intervenants, mais lorsqu'on me l'a proposé, j'ai accepté pour être aux côtés de cet éminent professeur Moussa Sylla pour bénéficier avec vous de ces lumières. Et je pense que l'exposé qu'il vient de faire tout à l'heure montre la qualité et de son parcours déjà en tant qu'enseignant de l'IST, mais aussi au niveau de la gouvernance des ressources extractives de façon globale. Ceux qui sont dans qui ont l'habitude de voyager ou de travailler avec les institutions internationales savent que le professeur Moussa Sylla est vraiment connu et respecté dans le secteur. Donc sa présence ici est à plusieurs titres donc instructif pour nous
vous étudiants également, parce que quand l'étudiant vient dans un institut, il a besoin de repères, il a besoin de voir des modèles. C'est pourquoi tout à l'heure, quand le directeur présentait un peu son cursus, donc c'est important pour que ces personnalités de cette valeur soient offertes en modèle aux jeunes pour qu'ils puissent redoubler d'efforts dans leur travail. J'ai suivi avec attention le bilan que le professeur vient de donner tout à l'heure. Et je voulais simplement revenir sur certains aspects, insister sur certains aspects. J'ai bien aimé la partie, le statut juridique, parce que c'est vraiment la base. Aujourd'hui, on peut dire que toutes les difficultés qu'on a à l'IST sont peuvent être quelque part imputées aux aspects juridiques. Mais avant cela, je voulais revenir sur le contexte même de création de l'IST. Quels sont les objectifs qui étaient en tout cas ciblés pour créer l'IST? Et dans quel contexte on était? Oui, le professeur l'a dit, c'était bien avant 82, oui, avec le décret. On sait également que, c'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est l'IST qui n'a pas de chance ou c'est la géologie un peu qui n'a pas de chance, parce que on nous dit que dès 1975 déjà, l'État du Sénégal avait émis. C'était même pas une volonté seulement, mais c'était vraiment une volonté de mettre en place une école de géologie. Et que les fonds étaient déjà débloqués en 1975. Donc ça, c'est... Et que par la suite, ça a été alloué à d'autres... la création de notre institut. On n'a pas eu de chance quelque part. Mais 1975, c'est quoi? 1975, c'est 3 ans... après que l'État du Sénégal ait décidé de réviser déjà les lois qui régissaient, qui étaient héritées de la situation coloniale et qui régissaient l'extraction des substances carrières et substances minérales. Donc, ça veut dire que, en ce moment-là déjà, l'État pensait déjà à former un personnel pour prendre en charge la gestion des ressources minières. Donc, quand on regarde aujourd'hui dans les textes créant l'IST, on se rend compte que l'État avait défini clairement que voilà une nécessité de création de géologues pour... Et ils avaient défini la destination. Pourquoi? Pour que ces géologues puissent être dans les administrations concernées pour gérer le secteur, puissent être dans les compagnies minières, puissent être dans la recherche, la partie université, puissent être dans les organismes, je veux dire, interétatiques. C'était ça la destination de base. Et en termes de ciblage numérique, ils avaient fait un inventaire de 80. C'est-à-dire que l'objectif, dès 1982, en créant l'école, l'objectif immédiat, c'était de former 80 ingénieurs sénégalais, à peu près 80 aussi africains, mais en 10 ans. Donc, quand on regarde aujourd'hui les objectifs, c'est-à-dire en 82 déjà, si on prend le décret, l'âge du décret comme année de référence, si on ajoute 2 ans, on se retrouve avec 92. Et donc, à 92 déjà, quand on regarde le nombre d'ingénieurs qui étaient produits, parce que c'est vrai qu'il y avait des effectifs très réduits après, on ne faisait pas 80, on était en deçà de ces objectifs.
On était à 31 ingénieurs. 31, ce sont ceux qui sont les membres de l'AIGIS. À peu près. Les fondateurs, je me souviens, on était 31. Voilà. À la signature, je peux vous montrer les papiers. Hein? Mm-hmm. On était 31. Donc maintenant, il faudra ajouter à peu près une dizaine d'étrangers ou à peu près ceux qui sont vraiment étrangers. Mm-hmm. On devait être donc une quarantaine. Mm-hmm. Bon, voilà. Mais Sénégalais, 31. Tous les 31 étaient membres, quoi, d'office, quoi. Exact. Exactement. Donc, ça veut dire que jusque-là, déjà, comme on n'a pas encore atteint les objectifs aussi, c'est compréhensible. Donc, on peut... voilà. Mais l'objectif vraiment, 80, on peut dire que ça a été atteint vers 1999, je veux dire 20 ans après la création de l'Institut. Et quand on crée une structure en ciblant un objectif bien défini, maintenant si on atteint l'objectif, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit évaluer. On doit évaluer. On ne peut pas dire que oui, on a atteint l'objectif, on va fermer, non? Mais on peut dire, on a atteint l'objectif, on va évaluer pour se réorienter, voilà, voir quelles sont les perspectives. Parce que quand même, 20 ans, c'est pas petit. Mais je pense que aussi à ce niveau-là, il y a cette perspective d'évaluation qui a manqué un peu à l'ISC, bien qu'on peut aujourd'hui se féliciter, rendre hommage au père fondateur de l'ISC. Parce que quand on voit l'architecture pédagogique, enfin, de masse, donc du plan pédagogique de la formation IST, mais on a du respect pour ces personnalités qui ont créé l'Institut. Et le professeur l'a dit tout à l'heure, l'IST n'a rien aujourd'hui en termes techniques aux autres aux instituts qui forment des ingénieurs. Donc moi, ces aspects-là, le manque d'évaluation en tout cas est une chose qui a vraiment plombé le décollage de l'IST. Il est revenu aussi dans la partie structuration même, puisque ce conseil de perfectionnement dont il parle allait régler beaucoup de choses, y compris les stages et les emplois. Pourquoi? Parce que ce conseil, même dans sa structuration, dans sa composition, c'est pourquoi aujourd'hui, le fait qu'il soit ancien directeur des mines et de la géologie, c'est important qu'il soit là. Parce que quand on regarde aujourd'hui le ministère des mines, le ministère qui est chargé d'exécuter la politique de l'État en matière de gestion des ressources naturelles. Donc si aujourd'hui l'IST forme des ingénieurs pour qu'ils travaillent dans ces structures-là, ça veut dire que ça doit être des ingénieurs qui sont adaptés à ces structures-là. Et si on regarde l'itinéraire même du ministère, de l'administration qui est chargée de mettre en œuvre cette politique de gouvernance des ressources, mais 72 n'avait pas encore de code minier même. Il n'y avait que les lois et décrets, donc séparés, qui régissaient l'activité. Le premier code minier est apparu en 1988, c'est-à-dire, donc entre 88 et 2003, le deuxième code, ça fait 15 ans. C'est-à-dire que à partir de 1988, l'IST avait déjà 3 promotions comme ça. Et l'administration minière entre 1988 et 2003 a cheminé. Et à partir de 2003, quand vous regardez dans le préambule du code minier 2003, il liste les éléments pourquoi le code de 88 n'était plus d'actualité.
devait se conformer aux exigences nouvelles de l'industrie minière. Et ça, c'est important. Il y a toujours la notion d'évaluation qui revient. Et à partir de 2003 jusqu'en 2015-16, l'administration a fonctionné avec ce code. Et à partir de 2016 aussi, c'est une autre rupture, on révise encore. Donc, je veux dire, ça, j'ai évoqué ces aspects pour montrer qu'il devait y avoir un parallélisme, en tout cas, dans l'évolution de l'IST par rapport à l'évolution de l'administration qui est chargée, en tout cas, de mettre en œuvre la politique minière. Et à ce niveau-là, moi, je pense que des efforts de réorientation peuvent être faits pour harmoniser et se conformer aux nouvelles exigences de développement durable, les nouveaux emplois verts, etc., etc. Bien que certaines parties de innovation de façon éparpillée sont en train d'être développées à l'IST, mais peuvent être renforcées dans un cadre beaucoup plus structuré. Les aspects emploi et stage. Moi, je pense que ces éléments-là peuvent être pris en compte par ce conseil de perfectionnement qui a existé de façon provisoire, peut-être, comme vous l'avez dit. Qui a existé de façon passive. Voilà. Mais quand on regarde la structuration même, il y avait la direction des mines et de la géologie qui devait être impliquée, les autres ministères comme le ministère de l'hydraulique, etc., etc. Quand bien que même cette structuration qui avait pris en compte ces aspects-là peut être améliorée. Parce qu'aujourd'hui, si on intègre beaucoup de structures, en tout cas les structures qui sont pertinentes, dans ce conseil de perfectionnement qui est chargé d'évaluer déjà le programme, les conventions avec les services d'administration, de tout ce qui est par exemple convention avec les compagnies et convention de stage, etc. Mais ça, je veux dire, ça aurait pu être mieux pris en compte. Quand l'ENAM, par exemple, ils ont des conventions. Même c'est pas des gens qui sortent et qui vont aller chercher du travail, mais on peut aussi, dans le cadre de lobbying, mais aussi de mise en place d'une structure vraiment qui n'est pas ad hoc du tout, mais qui est là, qui est chargée de définir cette politique d'orientation. Parce que, je veux dire, c'est là où l'IST a peut-être perdu, c'est que là où on n'a pas trop de contrôle sur les emplois. C'est comme, on peut dire, on n'a pas de mission de donner de l'emploi aux autres. Mais on doit quand même avoir un overview du produit que nous formons. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas un état de référence. On ne peut pas dire de façon claire que voilà ce qui est le produit, voilà comment on les a dispersés dans le monde de l'emploi. Et je pense que les statistiques peuvent être de sorte que on puisse suivre promotion par promotion le canevas d'insertion. S'il y a des problèmes, rapidement, on essaie de les... Ça aussi, c'est des perspectives sur lesquelles on peut s'appuyer donc pour l'avenir. Donc, voilà peut-être par rapport à l'exposé du professeur, certains éléments que j'aspecte, que je voulais relever. Mais pour dire que dans la réorientation aussi, je pense que le cadre, c'est important. Pourquoi? Parce que la prolifération des écoles d'ingénieurs aujourd'hui, je veux dire, on ne peut pas dire menace, mais on sait que la concurrence doit appeler à la qualité. Quand bien que la qualité est là, mais la qualité,
c'est un perpétuel, ça doit être dynamique. Ça doit être dynamique. Il y a de nouvelles technologies du métier et il faudra être très alerte pour pouvoir, de façon très dynamique, donc être au fait de ces aspects-là pour ne pas être laissé en rade ou alors disparaître. Voilà ce que je voulais dire pour le moment et je vous remercie. Merci. Ne peut pas être meilleure référence. Étudiants, enseignants, acteurs du secteur public, du secteur privé, je pense que sincèrement, on ne devait que l'écouter. Bon, moi, ce que je propose, c'est plutôt même de faire participer tout le public. Parce qu'il y a quelques années, on procédait ainsi. On note les questions des étudiants. Il n'y a pas de limite. Parce que parfois, on peut avoir beaucoup de surprises. Hein. Avec la position d'enseignant, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la tête des étudiants. Moi, c'est surtout cet aspect-là. Sinon, vraiment, je remercie les invités, parrain, marin, le président, la direction, parce que l'essentiel est dit. On a toujours eu envie d'améliorer. S'il y a toujours des obstacles, il faut toujours tenter d'améliorer. Monsieur Ndiaye, l'actuelle direction là, vraiment, n'a ménagé aucun effort. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, on n'obtient jamais ce qu'on veut quand on le veut. Hein. Donc c'est une bataille perpétuelle. Je voudrais surtout dire que, par exemple, l'aspect numérique, on doit beaucoup insister sur ça. Hein. Parce qu'actuellement, tous les aspects professionnels intègrent le numérique. C'est la modernisation de tous les secteurs, ça passe par ce qu'on appelle la transformation vers le numérique. Donc ça, on devrait l'insérer beaucoup dans nos enseignements. Parce que, comme vous l'avez dit, on est limité par des programmes. Mais en fait, les programmes, c'est juste des intitulés. Hein. Le contenu, c'est l'enseignant qui va voir, ou bien la direction qui va faire évoluer le contenu. Si je me rappelle, il n'y a pas informatique, il n'y a pas un nom informatique dans le programme. Mais à un certain moment, on a introduit l'informatique parce que c'est nécessaire. Où est-ce qu'il faut l'introduire? On a vu qu'il y a un aspect géostatistique, modélisation, c'est la place. Hein. Maintenant, il y a aussi d'autres aspects. Parce que personnellement, l'étudiant l'a relaté tout à l'heure, il y a de ces matières-là vraiment, même si on ne les supprime pas, il faut vraiment les réviser. Un ingénieur géologue, je ne vois pas pourquoi il va faire ce centre de biologie animale. Là. Ça ne lui sert à rien. Moi, ce que j'avais appris en biologie animale, j'ai complètement oublié. Ça a fatigué mes neurones. Ça ne me sert pas. Je ne veux pas dire que la biologie animale n'est pas utile. La biologie animale est très utile. Mais ce n'est pas notre compétence. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut essayer de réviser. Nous l'avons trouvé sur place, mais il faut vraiment avancer. Hein. Moi, je pense qu'il faut améliorer. C'est pas que j'aime pas la matière. Parce que l'étudiant m'a rappelé un peu mes soucis là. C'est pas que j'aime pas, mais je me demandais à quoi ça me sert. Et jusqu'à présent, je me demande à quoi ça a servi. Alors que ça a pris de mon temps. On pouvait remplacer, réduire et mettre d'autres choses modernes. Hein. Les cycles dans le programme qu'on a soumis là, c'est depuis la première année. Mais si vous voulez insérer des enseignements, il faut réduire d'autres. Hein. Biologie animale, biologie végétale, tout ça c'est bien. Mais il y a mieux quoi, actuellement, il y a mieux que ces matières-là, il faut évoluer. Donc c'était juste ce que je voulais, ce que je voulais relater. On a toujours, vraiment pendant plusieurs années, essayé de voir comment faire améliorer l'Institut, mais il y a eu toujours des obstacles. Hein. Moussa Sylla l'a relaté, hein. École, on a commencé par, je ne sais pas moi,
Institut, hein? Vrai serpent de mer. Université Polytechnique de Thiès, on a dit, ah, on est partant. L'essentiel, nous, on ne demande pas d'être à Thiès ou Paris ou je ne sais pas quoi. L'essentiel, c'est qu'on nous donne les moyens de travail. C'est ce qu'on a toujours, défendu. Parce que, comme on le dit, hein, un chirurgien, si vous ne l'apprenez pas, on ne devient pas chirurgien du jour au lendemain. Hein, il faut pratiquer. Avec tous les ministères là, franchement, à la fin, on est un peu épuisé, quoi. On n'a même plus envie de discuter avec les pouvoirs publics parce qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement du tout. Donc, c'est ce que je voulais dire. Si vraiment vous le permettez, laissez au public de poser quelques questions. Toutes les questions sont bienvenues. Il n'y a pas de limitation. Si nous, on peut répondre, on essaie de contribuer. Parce que je me dis qu'il y a toujours des choses qui restent floues dans leur tête et ils sont autorisés à poser des questions. Surtout que le sujet-là le permet. Le sujet-là nous concerne uniquement nous. Hein. Disons, le bilan de l'ISC et les perspectives, on ne peut pas en parler en deux heures, mais on peut quand même aborder certains aspects. Donc, merci, chers étudiants. Merci, chers intervenants. Il faudra bien vérifier. Juste avant que l'euphorie des étudiants ne puisse nous dépasser par rapport au cours de biologie animale, peut-être à quoi ça sert, moi je peux répondre rapidement. Déjà, j'ai fait une formation en biostratigraphie et paléo-environnement. Je pense que les groupes des foraminifères, planctoniques, tout le monde connaît, avec l'embranchement des sarcomastigophora, ça il faut de bonnes connaissances en biologie animale. Donc, pourquoi c'est important de faire, voilà. Déjà, il est là, il m'a juste marché sur la langue. Dans le domaine pétrolier, en ce moment, un biostratigraphe ne chôme pas. Dans la prospection pétrolière, où on a besoin de faire de bonnes coupures stratigraphiques, une bonne cartographie des terrains sédimentaires, il faut un biostratigraphe pour faire ces coupures. Ça, c'est important. Maintenant, dans le fond, il faudra peut-être revoir le fond des cours de biologie animale, et ne pas perdre trop de temps sur certains aspects et se focaliser uniquement sur les groupes qui nous intéressent en domaine de biostratigraphie. Donc je vais maintenant, heureusement je ne suis pas sur la table parce que je n'ai pas assez de connaissances sur l'Institut des sciences de la Terre depuis l'historique parce que j'ai fait le département de géologie de la faculté des sciences et techniques. Après une thèse en géologie appliquée, j'ai été recruté ici à l'IST en 2017. Donc heureusement, j'ai appris beaucoup de choses depuis l'intervention de Dr Moussa Sylla et aussi de ma collègue Mme Kodou Ndiaye qui est revenue sur l'historique des arrêtés et le pourquoi. Ça m'a beaucoup servi de voir et de voir est-ce que j'ai raté le train ou pas. Et je pense que j'ai pris le train en marche. Là, nous sommes dans une bonne dynamique avec la direction, nous travaillons en synergie. Et les étudiants ne sont pas laissés en rade, parce que je travaille beaucoup aussi avec les clubs, et bien sûr avec l'Amical. Baldin, je te félicite pour cette organisation, parce qu'il suit les conseils, il demande conseil, et il est très dynamique dans ce qu'il fait. Avec son ami aussi qui est là, l'ancien président, qui est maintenant appelé à d'autres responsabilités, et je pense qu'ils vont assurer leur mission assignée. Maintenant, je me retrouve dans le discours, dans l'intervention de Dr Moussa Sylla, parce qu'il faut améliorer les choses. Améliorer les choses aussi, on ne va pas dans le fond faire ça de manière drastique. Ce qu'on fait, c'est de manière progressive, essayer d'améliorer les cours, les contenus et tout. Et je pense que dans notre domaine qui est la sédimentologie, nous travaillons en synergie, toujours en collaboration, surtout avec l'Université de Manchester, l'Université de Delft, Pays-Bas, sur comment améliorer la géologie, surtout pétrolière. On en parle beaucoup au Sénégal. C'est vrai, vous voyez des instituts qui sont spécialistes en formation management, hôtellerie, et maintenant qui affichent l'enseigne géologie pétrolière. Dans le fond, il n'y a rien. Alors nous qui sommes directement impliqués dans le processus, au moins quand on doit intervenir, ça doit être de manière très claire. On ne peut pas prendre le micro et parler de choses qui ne sont pas exactes. Et cela aussi, les étudiants sont nos interlocuteurs. Maintenant, les discours, on voit ça partout dans les réseaux sociaux et tout. Et on va vous demander qui vous enseigne le cours de géologie pétrolière. Vous allez dire, ma pâte est gay. Là, c'est un problème. Donc, nous, pour vous rassurer,
nous sommes dans cette dynamique et les choses, vous verrez que ça va venir de manière très positive. Il était président de l'Amicale et qui a eu le privilège donc de présider les premières journées. Et en ce moment, le recteur, le doyen, c'était M. Libas Diop. Et donc, c'est le doyen qui est venu ouvrir officiellement la cérémonie. Et depuis cette époque, chaque année, les journées se tiennent. Ce qui traduit aussi la vitalité de l'école, son dynamisme, malgré le cadre dans lequel nous sommes. Que ce soit Mme Ndiaye, M. Silla, ils ont tous parlé hein, du problème du cadre juridique qui n'a pas évolué depuis les années 80. Moi, j'ai été recruté en 88, donc j'ai connu les fondateurs de l'école, hein, c'est-à-dire M. Rollet, M. Dia, les deux Dia d'ailleurs. Et je me souviens, je partageais le bureau avec M. Silla. On était au département de géologie, on partageait le même bureau. Quand on est arrivé ici en 90, on était face à face aussi. Donc on a beaucoup échangé sur l'avenir de l'école, l'avenir. Parce qu'une école qui est fondée ne doit pas disparaître. La connaissance, elle se renouvelle. Comme vous voyez aujourd'hui, en 80, le secteur minier, c'était les phosphates qui venaient de démarrer. Moi, j'ai fait même le chantier des ICS hein, en 82, avant que ça ne voie le jour. Donc, c'était pas grand-chose hein, dans ces années lointaines. Les mines ne rapportaient pas trop au Sénégal. Hein. Il y avait les carrières. Si vous voulez prendre des graveleux lactéritiques, c'était gratuit. D'ailleurs, vous louez le camion à 2000 francs, vous allez chercher le sable. Non. Mais aujourd'hui, tout ça a de la valeur. Et la contribution des mines, hein, de tout ce qui est du domaine de la valorisation hein, de matériaux, je crois que ça représente à peu près 120 milliards aujourd'hui au budget, contre à peine 10 milliards dans ces années-là. Et mais pourquoi tout ça a pu... Pourquoi les mines occupent cette place importante? Mais sans hésiter, c'est à cause surtout des ingénieurs de l'IST hein, qui sont dans toutes ces sociétés qui ont été créées. Dans les années 80, M. Silla est là. Dans le secteur des phosphates, ou surtout ça, et de l'exploration, il y avait surtout des Français, hein, des Européens. Il y avait très peu vraiment d'Africains encore. Aujourd'hui, il y a plus de 400 ingénieurs qui contribuent au rayonnement et au dynamisme de ce secteur. Donc, c'est dire l'importance déjà de cette école. Hein. Même si l'école n'est pas très visible, le bâtiment que nous occupons, c'est l'ex-BRGM, hein, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, inauguré par le président Senghor en 64. Pourquoi est-on ici d'abord? Je me souviens, bon, je ne sais plus, en 90, 91, j'assurais la direction des études. On se battait pour une école, hein, pas pour des bâtiments, une école nouvelle. Et Madame Ndiaye a dit un projet de 75 qui s'intitulait École supérieure de géologie. Le financement était de 52 millions. Si l'État avait la volonté, ils auraient construit 52 millions aujourd'hui. Vous avez à peine deux salles de classe, un peu plus. Hein. Les projets avec M. Ousseynou Dia, le professeur Ousseynou Dia, le premier projet, c'est 1990. Et il a insisté, il dit qu'il faut faire la toilette des tests. Donc, 10 ans après la création de l'école, l'un des fondateurs a senti la nécessité de faire évoluer l'école, non plus dans un cadre rigide de décret, parce qu'il n'y a même pas de projet de loi. L'école a été créée sans projet de loi, directement avec un décret et autorisation du Conseil d'État. Si le projet de loi existait, il suffisait de l'amender un peu. Ensuite, le président signe le décret et il a demandé qu'on module les enseignements déjà, hein, qu'on module les enseignements et qu'on puisse former sur programme. Former sur programme, ça veut dire qu'il faut des formateurs. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu beaucoup d'actions en direction des volontaires, hein, des jeunes sortis de l'école qui se sont décidés donc, à aller vers l'enseignement supérieur à la recherche et qui ont pu se former d'une manière remarquable à l'étranger, hein, la plupart à Nancy, et qui sont venus enseigner dans des conditions qui n'étaient pas faciles, il faut le dire, comme aujourd'hui d'ailleurs. Hein. On faisait face à des grèves qui étaient aussi violente qu'aujourd'hui. Hein. Et c'est l'occasion d'ailleurs de lancer un appel pour le retour au calme définitif sur le campus. Parce que vraiment, ça commence par être, j'allais dire, inquiétant. Hein. Un cadre de formation ne doit pas être un champ de bataille. Donc je demande aux jeunes que vous êtes de faire un effort pour
renoncer à la violence. Nous avons aussi fait des grèves, on est passé ici. Je suis rentré ici il y a 45 ans. 45 ans. Ne marchez pas sur les pelouses, tout était propre, c'était beau. Allez sur les sites, vous verrez, Université Dakar 70, 75, vous verrez ce que c'était par rapport à ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, il forme des bureaux miniers de la France d'Outre-mer, hein, qui étaient en Afrique de l'Ouest, quoi. Et c'est par ce bureau que la France, à l'époque, faisait l'exploration minière. Vous savez, les colonies françaises, toute la recherche géologique a été faite par les Français. C'est normal, parce que c'était le territoire. Il y avait même le bureau fédéral d'Afrique de l'Afrique de l'Ouest, quoi. Alors, le fait de faire ce bâtiment, ça veut dire qu'on est resté, le choix du Sénégal était quand même dans un premier temps de dépendre de la coopération française quelque part. Parce que vous avez, là où des pays ont directement créé le structure national, en 62, la Côte d'Ivoire crée la Société de développement minier, la SODEMI. Le Burkina Faso crée le BUVOGMI. À l'époque, on ne disait pas Burkina, on disait Haute-Volta. Nous, au Sénégal, on a des relations très privilégiées, et les Français aiment bien le Sénégal, et construisent ce bâtiment-là pour continuer à explorer à ça, afin à explorer ou rechercher, faire de la géologie pour le compte du Sénégal et des pays voisins. C'est d'ici, par exemple, que continuent à être prospectés beaucoup de sujets. Et vous savez que pendant très longtemps, non seulement on dépend du BRGM, parce que l'administration minière était juste une mission régalienne. Mais les géologistes, c'était en fait les Français qui le faisaient. Mais sauf qu'on était dépendant de, même c'est la coopération française qui finance tout le gaz et le plan minéral. Tous les sujets-là, tourbe, ilmenite, machin, phosphate, vous verrez la trace de la coopération française. C'est financé par la coopération française, exécuté par le Belge, etc. Ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Miferso, le projet Miferso, les recherches ont été faites par le Bimifom d'abord, complété par le BRGM. Et en 75, lorsqu'on crée la société, le BRGM français est dans l'actionnariat. Sabodala, on en parle aujourd'hui. Et Sabodala, c'était quoi? C'était d'abord un projet de recherche financé par le PNUD en 61, mais réalisé, le PNUD, mais exécuté par le BRGM, ok, qui est revenu plusieurs fois de suite. Et après, lorsque le sujet est assez mature, en 83, je me souviens, en 83, on était en ministre, et un jour au journal Soleil, création de la société minière de Sabodala. Vous savez ce que c'est la société minière de Sabodala? La SMS. Dans le cadre, on l'appelait la suite d'économie mixte, quoi. État du Sénégal, 51% BRGM, 49%. C'est pour vous dire simplement que ce bâtiment-là a joué un rôle important comme étant un bureau, un centre de recherche géologique. Si vous regardez sa conception même, hein, les pièces et tout, hein, c'était du laboratoire. Ça s'est passé comme ça jusqu'en 71. À partir de 71, je crois que les Français ont réévalué la situation. Ils se sont dit que, bon, on est au Sénégal, mais leur vocation, c'était de penser pouvoir être le bureau de l'Afrique de l'Ouest pour l'ensemble des pays. Mais tous les pays ont créé le propre service géologique. Même la Mauritanie, même le Mali. Le Mali avait la Sonarem. La Mauritanie, l'OMRG qui existe toujours. Donc, c'était un choix. Finalement, le BRGM s'est rendu compte qu'il n'y avait plus intérêt à être aussi présent, aussi massivement. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de se replier. Ils sont allés à la rue Mose pour le siège et ils ont commencé à se désengager des mines vers la recherche hydraulique, quoi. Et tenez-vous bien, ils ont gardé ici uniquement le laboratoire. Ce qu'on appelle le Goulagère là, c'était le laboratoire du BRGM. Ils étaient ici, y compris le laboratoire. Et en 71, ils revoient la voilure en baisse, gardent le laboratoire, dont le personnel dépend toujours d'eux, et offrent ce bâtiment au ministère de l'Industrie. Donc, pour l'histoire, ce bâtiment a quitté les mains du BRGM en 72 pour être dans le patrimoine de l'État et affecté au ministère de l'Industrie. Et tenez-vous bien, c'est une situation qui a prévalu jusqu'à quand il parle de 92. Nous étions les premiers occupants. Hein, on a quitté nos Kajibis, on les appelle les Kajibis, les petits bureaux là, au département pour venir ici. On est très contents. Parce que simplement, le ministère des mines de l'époque, l'industrie s'appelait le ministère de l'industrie, le ministère du développement industriel, quoi. Dedans, il y avait l'énergie, il y avait le truc. Et tenez-vous bien, comme un hasard de l'histoire,
dans ce bâtiment, moi quand j'ai étudiant, quand vous venez ici, vous avez la direction des mines ici, la direction de l'énergie là, la direction de l'industrie au fond, et le bureau du directeur des mines, vous savez c'était où? C'était le bureau d'Aziz, le bureau du directeur de l'ISC. C'est extraordinaire. Et le ministre des mines et de l'industrie, il était au premier étage, son cabinet. Vous voyez un peu? Et jusqu'en 89-90, quand Ivan Sagna était dans le ministre, bon, lui c'est quelqu'un de très... Il était très innovant, il dit, écoute, ce bâtiment-là, c'est lui qui a conçu le dossier de Petavant. Donc en 89-90, décision a été prise pour Famara de déménager le cabinet à Petavant. Les directions qui étaient là, à savoir DMG, Énergie et Industrie, sont partis à la route de l'Orifice d'abord. Carnot, c'est bien plus tard, hein? Je me souviens, il voulait refuser. D'ailleurs, en 95, quand le professeur Dia, Ablaï Dia, que vous connaissiez peut-être, il a cumulé la fonction de directeur de l'ISC avec DMG. Et lui, quand il a été nommé, il quittait, enfin, ses bureaux étaient à la route de l'UFISC. À Yara, quoi. Et je crois que ça a duré jusqu'au vers des années 98. En 98, ils ont migré à Carnot, ou 2000. À la veille des alternances, en 2000, quoi. Ils ont allé. Alors, pour dire que ce bâtiment a eu une histoire, quand même, totalement liée à la géologie. À savoir, un institut géologique qui le crée, qui se met ici, un ministère qui se met ici pendant longtemps. Bon, lequel ministère d'ailleurs n'est toujours pas parti, parce que si vous voulez bien, le groupe laboratoire là, quand le ministère des Mines libère le bâtiment pour l'université, elle garde le laboratoire qui est devenu une division de la direction des Mines. Il y a eu un décret qui a été fait en 89 pour rattacher ça. Alors, maintenant, là où je veux en venir, c'est un terminal que je voudrais faire. Vous savez, le professeur Ousse Lugia, il était un vrai visionnaire. À l'époque, Souleymania était l'électeur. Il s'attendait très bien. Il avait confiance en lui. Souleymania, qui était l'ancien doyen de la faculté des sciences, qui passe recteur. Ousseinou a été un des directeurs chargés de la coopération, je pense, hein, à l'époque. Mais Ousseinou est allé plaider l'idée que l'IST, on le met ici, on règle le problème de l'IST. Ce qui est totalement vrai. Mais écoutez, ce bâtiment-là, tel qu'il est conçu, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on nous aurait dit, l'IST, déployez-vous partout dans ce bâtiment-là, l'IST ne peut pas trouver mieux. Je vous dis pourquoi. Regardez sa configuration, vous avez un musée, là, vous avez un musée. Regardez comment c'est beau. Regardez, vous avez l'ensemble des 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Chaque pays, vous avez sa géologie, ses échantillons. Vous avez des salles comme mon bureau, ou le bureau de Baguidi, mais qui sont aménagés pour des chercheurs. Quand nous avions quitté nos Kajibi, Baguidi et moi, pour venir ici, on était face à face là. Mais on était hyper contents, des bureaux spacieux, avec notre paillasse là, etc. Mais véritablement des bureaux de géologues enseignants. D'accord. Et que ce soit l'effectif des enseignants, des enseignants-chercheurs, que ce soit les besoins, tout était possible de faire ça. Ce qui veut dire que c'est pour ce sens-là que l'environnement juridique a été un facteur extrêmement limitant. Parce que qu'est-ce qui se passe? Au moment où c'est nous, à l'oreille directeur qui est favorable, vous avez à l'époque son doyen de la faculté de chercheurs, je n'irai pas son nom, et ses collègues qui disent que ah, non, le IST, c'est après tout, une petite émanation du département de géologie, il n'est pas question qu'on lui donne le bâtiment là. Regardez ce manque de vision. Au sens des gens-là, maintenant, qui sont fiers de l'ISC, hein? Ils sont très fiers de l'ISC, mais honnêtement, ils ont tué l'IST. Parce que le recteur Ousseinou Dia aurait eu gain de cause, on l'aurait suivi. Qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a partagé les locaux. On donne, ce bureau, les deux bureaux là-bas, Baguidi et moi au fond, moi ensemble en haut, et c'est terminé. Alors qu'on avait besoin de locaux pour déployer des laboratoires, des trucs, etc. Donc, ça fait mal quoi, aujourd'hui. C'est pourquoi quand je dis, j'entends dire quelque part, bon, il semblerait que oui, bon, il est question de revoir, question de problème. Non, maintenant, il faut faire du neuf. C'est fini ça. Si en 92, on ne nous a pas donné ça, maintenant, on est dans l'ère de la modernité. Je pense qu'il faut faire un projet pédagogique, être moins dépendant. Parce qu'encore une fois, j'ai dit ce que je pense. Ceux qui ont sabordé le projet de transfert de l'IS dans ce bâtiment-là, ils sont toujours là. Ils ne nous feront pas de cadeaux. Ou vous avez un statut fort d'école, d'ingénieur, avec des moyens de l'État, vous avez un foncier, vous construisez du neuf Aziz. Oubliez-moi ce bâtiment-là, parce que les gens ne vont pas le libérer. Ils ne vont pas le libérer, parce que c'est une question de mentalité. L'Africain, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il est toujours dans l'accaparement, quoi, le khutio, quoi. Tu vois? Alors que ce bâtiment, tout justifiait sa dévolution vers l'IST. Tout. La nature... Un service géologique de BRGM au départ, ministère des Mines,
Ensuite, l'idée de déployer l'ISCIC était une idée fabuleuse. Vraiment, vraiment, s'il y a une date à retenir, une date à retenir en termes de occasion ratée, quoi, c'est vraiment 1992. Voilà. Donc, c'est pour le soir, c'est bon que vous sachiez. Sachez que le président Abdou Diouf, hein, il venait ici au travail quand il était ministre de l'Industrie. Parce que son bureau était en haut. Il a son premier poste de ministre, quand il quitte le secrétaire général du gouvernement, il était ministre, n'est-ce pas? Il vient ici comme ministre des Mines. Il a, jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir, il y a l'autre, Alexandre, qui l'a remplacé. Alexandre, un grand monsieur aussi, lui, Alexandre. Et en parlant des visionnaires, ceux qui ont eu l'idée de l'IST, Alexandre en fait partie. Parce que quand Ousseynou était directeur, chef de département, enfin, Ousseynou est devenu chef de département du Haut-Lu, je pense, en 1978. Mais Alexandre, il y a trois messieurs qui sont un peu nos doyens en tant que dans la coopération géologue. C'est Ousseynou Dia, c'est lui, Alexandre, qui était géophysicien, les gens oublient ça, et c'est Mohamed Oussi, de Taïba, qui est vivant encore, il est imam, bon, enfin, qui a été longtemps DMG, c'est vrai, après qui est passé. Il est passé directeur général de la CSPT, la compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba, laquelle compagnie a été absorbée par les ICS en 96. Mais historiquement, la mine de phosphate, c'était cette compagnie-là, dont le DG, c'était Mohamed Oussi. Sans ces trois-là, et ils s'entendaient très bien, c'était des amis, hein, ils ont travaillé ensemble dans les premiers projets de recherche minière au Sénégal oriental, notamment avec le Sud. Et après, bon, l'eau a eu une carrière politique, Alexandre, il est devenu DMG, ensuite ministre. À Mohamed Oussi, il passe DMG, après il passe dans l'État, le nom, parce qu'il est passé de directeur des mines en 75 à directeur de la compagnie, parce que l'État du Sénégal venait de revaloriser. Quand il parlait de code minier, en 75, ce qui s'est passé réellement, c'est que l'État du Sénégal a décidé de nationaliser les mines, d'être majoritaire dans les compagnies minières, que ce qui était la compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba et là, et c'est ça. Dans la géologie, quoi qu'on puisse dire, tout est géologie dans cette vie. Donc c'est ce que je voulais rajouter. Et je pense qu'avec l'aide de M. Ndiaye, l'association pourra faire beaucoup de choses pour les femmes, parce qu'au niveau des stages, on a rencontré M. Ndiaye, parfois on fait nos études et au final nous avons des difficultés à trouver des stages. Donc il faut que les entreprises aussi qu'ils puissent collaborer avec les administrations, les institutions pour trouver des stages pour les étudiants, pour qu'on puisse montrer le potentiel que nous avons, parce qu'on a un potentiel très riche au Sénégal, et que ce potentiel-là puisse être bénéfique à la population. Je vous remercie. Et allez, ce serait très intéressant, parce qu'elle a bien raison sur le fait que les géologues n'osent pas parler au grand public. Parce que je ne peux pas comprendre, dans un pays où on a tellement d'instituts, tels que à l'instar de l'IST, qui forment des ingénieurs géologues, on se permet d'entendre des rumeurs sur le pétrole ici au Sénégal à travers les politiciens. Je peux dire des politiciens qui n'ont même pas été formés en géologie, qui n'ont même pas fait de recherche. Donc c'est grâce à eux que l'on ait des informations sur le pétrole au Sénégal, sur le gaz. Et où sont les géologues? Ceux qui sont les principaux concernés doivent tenir un discours devant le public pour informer peut-être les Sénégalais qui n'ont pas compris. Car comme on le dit, les politiciens, ils font que la politique. Certes, ils ont des informations en ce qui concerne la géologie du Sénégal, mais un discours d'un politicien sur la géologie, un discours d'un géologue en tant que tel, ce serait très différent. Donc, le géologue serait plus instructif à nous informer, à nous étayer sur les marchés du pétrole et du gaz, etc. Donc, sur ce, merci Madame la Secrétaire Générale. Donc, j'ai reçu quelque chose. On part dans les autres écoles. Donc, c'est très, très, très difficile. C'est très difficile. Donc, l'administration, il fait des démarches. Donc, on salue ça, mais on a besoin encore plus. Donc, pour on peut revenir sur les stages et l'insertion de l'emploi, je pense que les aînés nous disaient que au début, ils n'étaient pas nombreux, il n'y avait pas de problème d'insertion et consorts. Mais là, on voit que
c'est bien vrai qu'il y a, la concurrence des autres écoles, mais on voit qu'il y a d'énormes IST qui occupent des responsabilités. Donc, eux, s'ils avaient fait mieux, donc il n'y aura pas ce problème. Et la grande amicale aussi a une part de responsabilité. Parce que si on voit tous les autres écoles, leur amicale est très, très, très dynamique. Eux, ils aident très bien leurs étudiants. Donc, si notre amicale a été mieux structurée, je pense qu'on n'aurait plus ce problème-là. Donc, c'était juste ces quelques mots de cri de cœur que j'avais à tenir. Merci. De l'amicale, docteur Moussa Silla, cher professeur, Mme Kourdignaï, c'est un immense plaisir de vous recevoir ici, docteur Moussa Silla. J'ai longtemps entendu parler de vous, donc... C'est la première fois que je vous vois, donc c'est un honneur pour moi de vous voir ici. Vous dire que vous consultez parmi les alumni qui vous reflétez l'IST. Parce que nous, souvent, on voit beaucoup d'alumni. Et à chaque fois, on est très heureux. Parce que quand on regarde leur parcours, tout ce qu'ils ont fait, ça nous encourage. Ça nous pousse à travailler davantage et à aller de l'avant. On se dit que voilà quoi, on a la possibilité. Parce que comme on le dit, il faut toujours des repères. Mme Kodou en a parlé tout de suite. Madame Ndiaye, c'est important d'avoir ces repères-là. Parce que nous, on en a besoin. Nous, quand on vient à l'IST, on ne connaît pas beaucoup de choses. Mais quand on voit des gens là, voilà, c'est un plaisir. Et je remercie également les profs qui sont là. Moi, j'ai envie de les applaudir. Parce qu'il faut les saluer. Ils font beaucoup de choses pour les IST, pour les étudiants. Moi, je consulte souvent les profs. Voilà, ils me donnent beaucoup de conseils. Et en classe aussi, les cours, il n'y a pas de problème, on comprend. Donc, on voit que c'est une formation de qualité. Donc, ce qui reste, je pense que le bilan, vous en avez parlé tout de suite. Et ce qui a beaucoup attiré mon attention, c'est sur le point de l'organisation de l'école. Je pense que c'est quelque chose à revoir, surtout l'administration, parce qu'on voit que le directeur, il est très chargé. C'est lui qui fait presque tout. Je pense que c'est peut-être le moment de revoir l'organisation de l'école, d'insérer de nouveaux postes. Ça permet de décentraliser les fonctions du directeur. L'autre chose également, c'est le contenu du programme. On a parlé de ça, on a parlé du BA, ce qui est le problème de tous les étudiants. Parce que moi, quand j'étais en CPST, je ne me retrouvais pas vraiment. Le prof, il est là, il parlait, mais tout le temps, j'avais des problèmes. Parce que moi, à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que je suis en train d'étudier là, quel est son rapport avec la géologie, comment je pourrais l'appliquer en géologie. Mais quand le prof, il vient, il parle, moi, j'avais du mal à me retrouver. Donc, je pense qu'il faut revoir ce programme de biologie animale ou de biologie végétale. Parce qu'en IST1, quand vous venez devant le prof de biostratigraphie, M. Raphaël Sarr, il prend tout son temps pour vous expliquer les foraminifères, les sarcomastigophora. Bonjour à tous. Nous voici à la deuxième journée de ces activités scientifiques et culturelles organisées par l'amicale des élèves ingénieurs de l'IST. Donc aujourd'hui, le programme s'est poursuivi avec un panel organisé ici à l'IST sur le thème « Après 40 ans d'existence, quelle orientation donner à l'IST face aux mutations ?» que ce soit sur le plan technologique, sur le plan de l'insertion, également sur le problème de locaux que cette école, depuis sa création, a rencontré de nombreuses difficultés. Donc, je suis ici en compagnie du président de la commission sociale de l'amicale, M. Ousseynou Sokhna, du président de la commission pédagogique, M. Ismaïl Etcham, mais également du trésorier de l'amicale, M. Babacar Diouf. Donc, je vais donner le soin à ces derniers d'entrer dans les détails de cette activité d'aujourd'hui. Le président de l'amicale des élèves ingénieurs de l'ISC, M. Moussa Baldé. Donc, comme le président l'a dit, les activités des journées culturelles et scientifiques se suivent toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a eu à faire un symposium sur un thème vraiment très, très intéressant, vu l'ISC, ce qu'il constitue au Sénégal. Après 40 ans d'existence, quelle orientation donner à cet institut-là? Et
nous avions bien fait de poser ce débat sur la table, parce que pas mal de choses ont été sorties des anciens qui ont passé ici à l'ISC, en l'occurrence le parrain de ces journées-là, M. Silla, le directeur de l'ISC, et certains professeurs qui ont fait leur humanité ici à l'ISC. Et je pense que la question fait bien de le poser en tant qu'étudiant, en tant que représentant de ces étudiants-là, de lancer un message à l'endroit des autorités étatiques, des autorités universitaires, que l'ISC doit changer de statut. Ne serait-ce que l'ISC devienne une école supérieure, parce que quoi qu'on puisse dire, c'est le leader dans le domaine des géosciences ici au Sénégal. Un institut qui a formé le président de la République, qui a formé des ministres, en l'occurrence le ministre de l'énergie et du pétrole, ex-ministre des mines et de la géologie, et pas mal de directeurs d'entreprises œuvrant dans le domaine des géosciences. Donc cet institut-là mérite aujourd'hui beaucoup plus de reconnaissance, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de visibilité. Et pour cela, il nous faut forcément un changement de statut. Et c'est aujourd'hui qu'on tend la main aux différentes autorités, en l'occurrence le président de la République, mais aussi son ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qu'il est temps que l'ISC fasse des pas vers l'avant. Vraiment, nous voulons changer de statut. Nous voulons une école supérieure, nous voulons des locaux. Et nous pensons bien que ces revendications-là iront jusqu'à là où ils pourront se régler. Et aussi, il y a le problème aussi qu'on a recueilli par rapport aux exposants et aussi aux élèves. Le problème du programme, le problème de l'adaptation face aux mutations, surtout technologiques et numériques. Et c'est l'occasion d'alerter les autorités universitaires que le changement doit se faire en global dans le système éducatif sénégalais, et en particulier dans ces genres d'instituts-là et ces genres d'écoles supérieures, pour qu'on puisse intégrer davantage les métiers de la technologie et de l'ingénierie appliquée dans nos systèmes éducatifs, pour qu'on puisse s'adapter face à l'évolution de ce monde d'aujourd'hui qui est dominé par le digital, le numérique, etc. Je vais m'en arrêter là pour donner l'opportunité aux autres intervenants d'avoir d'autres angles de tir sur ce thème d'aujourd'hui. Donc je vais passer la parole au président de la commission pédagogique, Ismaël Thiam, qui va peut-être approfondir et après donner le trésorier et le financier de l'amicale la parole. Prenons le PCS de l'amicale. Donc je pense que vous avez bien rappelé les points qui ont été discutés aujourd'hui. Donc nous voici à la deuxième journée des journées scientifiques et culturelles. Donc hier on avait démarré avec un investissement humain le matin ici au musée. Donc nous savons tous que c'est un musée qui occupe une place très importante dans la géologie en Afrique, mais également plus particulièrement au Sénégal. Donc on a eu à faire un investissement donc dans le but de promouvoir le musée. Mais également l'après-midi, il y avait des activités ici, l'animation culturelle de la part des étudiants. Et aujourd'hui, nous étions là pour faire un symposium sur le thème « Après 40 ans d'existence, quelles orientations donner à l'ISC face aux mutations ?» Donc nous avions comme conférencier M. Silla, Dr. Moussa Silla, parrain des journées et par ailleurs directeur de Géomu. Donc comme il l'a si bien rappelé, il nous a fait un bilan de près ces 40 ans de l'Institut des sciences de la Terre. Sans nous l'attendre tout souligner, l'IST, on a besoin quand même d'être dans un cadre plus approprié. En tant qu'un institut doté d'une formation de qualité qui a formé plus de 400 ingénieurs géologues de conception ici au Sénégal, donc il est temps quand même qu'on change de statut, d'être devenu une école indépendante d'un département de faculté ou d'une faculté des sciences. C'est par là qu'il nous a fait un bilan des perspectives d'avenir de l'IST et ça a été très instructif. Donc je pense bien qu'on a noté aussi les cris de cœur des étudiants. Donc ils ont eu l'occasion de prendre la parole et de dire ce qu'ils veulent réellement au niveau de cet institut. On avait des interventions de différents types, c'est-à-dire certains sont de la première année même, donc, et d'autres en cinquième année qui ont peut-être une expérience plus approfondie ici au sein de l'IST. Et on a tout fait, donner nos expressions, nos impressions sur le cadre, le programme d'enseignement ici à l'Institut des sciences de la Terre. Tantôt, on a aussi souligné le fait qu'on doit inclure
peut-être d'autres matières au niveau de l'enseignement, à savoir le management, le leadership. Monsieur le PCP, et merci aussi au président et au PCS. Vraiment, ces journées, c'est l'occasion de rassembler tous les membres de l'IST, que ce soit les alumni, les étudiants, les professeurs et les autres qui s'activent dans le domaine des géosciences. Et je pense que je ne vais pas être trop loin parce qu'ils ont tout dit. Hein, et le thème aussi aujourd'hui a presque retracé toute l'histoire de l'IST et ce qu'il faut améliorer. Vraiment, là, tout a été dit, quoi. Vraiment, merci. Je dirais que ce symposium, donc tout le mérite de ce débat donc est là aujourd'hui, c'est que vraiment les idées sont ressorties, que comme ils l'ont souligné, M. Silla a vraiment retracé en quelque sorte l'histoire de cette école et du bâtiment BRGM du Faton Général, et qu'on a vu que l'IST a formé beaucoup de cadres ici au Sénégal, et que c'est un cri du cœur qu'on ressent au niveau des étudiants qui réclament encore plus de moyens. Parce que les choses ont changé, les conditions du marché ont changé, la technologie elle est là, donc l'IST devrait, comme on le dit souvent en écologie, soit s'adapter ou disparaître au final. Donc nous appelons, comme Sohna l'a dit, à mobilisation de tous, donc les alumni de l'IST qui sont sortis de cette école, de revenir et de nous soutenir dans ce combat qui, à mon avis, est le combat de toute personne qui est passée ici et a envie de voir l'école à laquelle cette personne est sortie, voir cette école rayonner. Donc pour finir, nous remercions M. Silla pour sa disponibilité, et également monsieur le directeur Abdoul Aziz Ndiaye qui ménage aucun effort pour mettre cette école quand même sur les rampes d'une école moderne, et Mme Kodou Ndiaye également enseignante à l'IST et très disponible pour les activités de l'amicale. Merci, et demain le programme se poursuit également à l'UQA 2, ce sera la cérémonie officielle de ces journées scientifiques et culturelles avec un panel qui est prévu avec de grands panélistes, je dirais, parce qu'on a l'honneur d'accueillir le directeur de Sabre de la Gold, M. Aziz Sy, également Mme Fatima Zahra de Woodside Energy, qui est alumni de l'IST. Il y a également M. Paye de l'ITE. Et enfin, pour finir, Mme Aïda Diop de Women in Mining Sénégal, panel modéré par monsieur le directeur de l'Institut des sciences de la Terre. Donc je vous donne rendez-vous demain à 9h, Inch'Allah, au niveau de l'UQA 2. Merci.